Comme nous avons été heureux ici, aux Chapelières. Les Chapelières. Nos parents y sont morts. Jacques, l'aîné, y a grandi. J'y suis née. Comme notre petit frère Philippe. Et celui que nous appelons l'abbé, son frère de lait, le fils du métayer. Mes frères, jusqu'à quand vous ferez-vous la guerre? Nous nous étions pourtant jurés la paix. Toi, l'abbé, que nous avons toujours connu, aimé, protégé, où te caches-tu avec tes chouans? Je prie pour toi, l'abbé, même si je ne prie pas pour ta victoire. Je prie aussi pour toi, Philippe, mon petit frère, même si ta victoire, celle de la Révolution, nous a séparés. Oui, souvenez-vous comme nous étions heureux ici. C'était juste avant la Grande Révolution. Mes amis, allez. Bien, approchez-vous, mes amis. Approchez-vous. Vous allez suivre exactement mes instructions. La machine. Non, la machine est sans danger. Sans danger. Hormis l'émotion naturelle qu'elle peut provoquer. Donnez-vous la main et laissez l'espace d'un bras avec vos voisins. Allez, donnez-vous la main. Donnez-moi la main, cher ami. Donnez-moi la main. Oh, je vous la donne. Mais non. Je serai dans le cercle. Donnez-vous la main. Oh, j'avais peur que vous nous observiez du dehors que vous ne participiez pas. Non. Je tiens à être le premier sujet de mes expériences. Ma petite sœur. Sinon, où serait l'excitation? Où serait l'émotion? Ma femme. Gabrielle. Ça n'est pas de ton âge. Nanette, allez, donnez-vous la main. Allons-y. Il faudrait que quelqu'un sorte du cercle pour actionner la machine. Ah, en ce cas, mon gendre, je me dévoue. Merci, beau-père. Vous mettez la main là. Vous êtes toutes prêtes? Vous êtes tous prêts? Allez-y, beau-père, actionnez la machine. Mais non, pas dans ce sens-là. C'est pas bien, Gabriel, de regarder ces choses-là. Essayez de séparer vos mains. Bravo. Je meurs. Oh, quelle magie. Que m'est-il arrivé? Tu as connu l'extase. Approchez-vous. Oh, cette machine est la plus polissonne du monde. La bienséance n'en a pas souffert, madame. Certes, mais en chacun de nous, quelle horreur! Mais quelle est cette magie? Ah, magie. Non. Cette magie n'est que l'aveu de notre ignorance des lois de la nature. Le fluide électrique est partout. Partout. L'orage. L'éclair. La foudre. Mais aussi les battements de notre cœur. Les frémissements de nos sens. Les affinités qui nous lient. Les répulsions qui nous opposent. Les sentiments qui nous animent. Et si les lois du cœur n'étaient que les lois de l'électricité? Oh non. Il joue parfaitement son rôle. Il nous fait la leçon. Ton mari s'entête à tout régler par la physique. Et les mouvements de l'âme? Faut-il un fluide pour les exciter? Oh, femme! Créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas! Vous ne l'aurez pas! Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie! Un rang, des places, tout cela rend si fier. Tais-toi, la tête! La tête mérite le bâton! Allez, continue! Allez, courage, vas-y!
Vous criez parce que vous êtes touchés. Vive le tiers! Vive le tiers! Vive le tiers! Vive le tiers, bravo! Vive la noblesse! Faites lutter! Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. Vive le tiers! Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement. On en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes! Les épées de fer brûlent dans les coudres, tu fais leur jeu. Je ne sais pas dissimuler. Bravo! Là, ça prend. La politique exige plus de qualité qu'un grand cœur. Tous les gens qui paient leur place. Mais non, plus il y aura de cris, plus il y aura de monde. À Paris, la pièce est fanée, ici, elle reprend des couleurs. Oui. Une chose accessoire. Puis il faut pas qu'elle bouge, cette forêt, là. Forêt qui bouge en plein air, c'est ridicule. Mon beau Figaro, si tu voyais ta tête. La comédie est finie et cette diablesse d'Olympe qui te fait languir. Mais il te reste ta Suzanne. Mais c'est qu'il est bien bel homme, cet avocat. Venez. Venez faire une lecture. Venez faire une lecture du mariage chez moi, au Chapelier. Je vous présenterai Silette, ma sœur et mon petit frère Philippe. Mais pourquoi ne viennent-elles pas nous voir ici? Oh, Silette ne sort jamais de chez elle. Quant à Philippe, il est séminariste, pour l'instant. Et puis je vais inviter mes gens, mes fermiers. Ah, tu as donc des fermiers? Ma foi. Tu es riche, mais tu es fou, mon ami. Es-tu bien sûr qu'ils apprécieront le présent? Tu es irrésistible. Ah oui. Entrez, je vous en prie. Entrez, asseyez-vous, mes amis. Mes amis, la tradition veut que le jour de renouvellement des baux de fermage soit une journée de fête. Nous ne manquerons pas à cette aimable coutume. J'ai donc demandé à la Comédie des Lumières de Rennes de venir. Et de vous lire la pièce de Monsieur de Beaumarchais qui a triomphé à Rennes, à Paris et dans la France entière. Elle vous divertira. Et si vous y trouvez matière à penser, je m'en réjouirai plus encore. Je suis curieuse de l'entendre. Tu l'as vu, ils l'ont donné à Rennes? Pas dans mon séminaire, ce Rennes, pas encore. T'es bête. Tu vas en ville, tu sors. T'as vu ton frère? Écoute, la théologie et la prière ne nous en donnent pas l'occasion. J'aime bien quand tu parles comme ça, tu m'es proche. Dis, je sais pas, mais si tu te mettais à douter de ta vocation, les idées vont tellement vite en ce moment autour de nous. Tu m'en parlerais? Tu m'ouvrirais ton cœur comme je t'ouvre le mien? Mais oui, Sorette. Tu me le promets? Oui. La pièce est sous vos yeux. Voici Chérubin. Je ne sais plus ce que je suis. Depuis quelque temps, je sens ma poitrine agitée. Mon cœur palpite au moindre aspect d'une femme. Les mots amour et volupté me font tressaillir le trouble. Et l'envie de dire à quelqu'un « je vous aime » est devenue pour moi si violente que je le dis tout seul, en courant dans le parc, à ta maîtresse, à toi, aux arbres, aux nuages. Elle parle pour moi. Elle dit les mots qui sont dans mon cœur. Silette, Chérubin est un garçon. Eh bien, je vais aimer comme lui. Regarde comme il est beau. Cœur sensible, cœur fidèle, qui blâmait l'amour léger. Cessez vos plaintes cruelles. Est-ce un crime de changer? Ça te fait comme à moi. Tais-toi. Si l'amour porte des ailes. Allez, viens, mon fils. N'est-ce pas pour voltiger? Est-ce un crime de changer? Est-ce un crime de changer?
Tu vois plus clair, mon fils. Bien lourd, bien gras, comme je les aime. Dieu te pardonne. Dieu pardonne aux pauvres bougres qui prélèvent un peu de ce que donne la nature. Il pardonne la faim, pas le vice. Il m'a fait chasseur, et chasseur je resterai jusqu'à la fin de mes jours. Oh. Et puis, n'oublie pas, tel père, tel fils. Lâchez-le. Oh. Allez. Je vais sur mes chasses. Il a flagrant délit de braconnage. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Je n'ai pris qu'un lièvre. Voilà qui est franc. C'est un trop. Allez, qu'on l'emmène. Ce gai, ce fol ouvrage. Renfermait quelques leçons. En faveur du badinage. Faites grâce à la raison. Ainsi la nature sage. Nous conduit dans nos désirs. À son but par les plaisirs. Relevez-vous. Mon père, les gens du marquis viennent de le prendre. Arrière, un pigeon, l'air qu'on respire. Cette recette s'accroche à leur privilège. Il faut la poigne de fer de la mort pour les en dessaisir. Que faites-vous pour que ça change? Oh, fais ce qu'il faut. Foute-moi la veine. Dis-le autour de toi. Il y a un grand espoir qui se lève. Le roi a demandé de réunir les états généraux. Les paysans n'y seront les pas. Les paysans y seront pour la première fois. Je vais vous entendre. Allez, allons-y. Chers voisins, ne fallait pas vous déranger pour si peu. Je suis bien content de vous voir. Expliquez-moi ce qui se passe à Rennes. Vos amis du tiers ont perdu la raison. De grâce, réglons d'abord le sort de mon pauvre métayer. Il est à vous. Vous y tenez? C'est mon meilleur fermier. Mon braconnier aussi. Voulez-vous plaider? Vous ne renoncez pas à votre droit de basse justice. Allons bon. Pourquoi donc y renoncerais-je? Votre métayer m'a tué un lièvre. Je vous écoute. Je demande l'acquittement de mon métayer pour le motif que la justice et la raison récusent votre tribunal. Il est inique que le juge soit parti et que la partie soit juge. Qu'on libère cet homme au plus vite. Son crime est moins grand que ne serait celui de le juger. Ce que vous me dites est terrible et me fait trembler. Vous menacez d'une subversion totale l'ordre établi par les deux autorités qui nous soumettent tous. Celle du roi, celle de l'Église. Vous ouvrez un gouffre où toutes les valeurs se fracasseront. Je préfère vous rendre votre bonhomme. Et vous démontrer qu'en seigneur, je dispose aussi du droit de grâce. Laissez-nous. Relevez-vous! C'était pas le moment d'aller en prison. Tu me dois une année de métayage. Allez, à toi. Oui. Allez.
campagne pour se danser. Y'a qu'à la campagne qu'on s'amuse. Regarde nos paysans comme ils s'amusent. Ils mettent la même rage dans la joie que dans la peine. Je veux l'alléger, cette peine. Attends d'être prêtre. Si je le suis. Philippe. Elles sont toutes comme celles-là, les femmes de Rennes. Pourquoi elle te plaît pas? Il ne s'agit pas de me plaire. Elle est si belle. Ma sœur vous trouve belle. Merci. Moi aussi. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit, Lana. Bonne nuit, Lana. La province n'est pas reine, je veux bien. Mais ne me dis pas qu'on ne te courtise pas, qu'on ne demande pas ta main. Certes, on le fait. Quel résultat a-t-on? Nul. Ne me dis pas que dans toute la Bretagne, il n'y a pas un homme à ta convenance. Je dis pas ça. Tu peux parler tranquillement. Ton frère dort. Jeanne. Parfois, je me dis que Dieu m'a puni en remplissant mon cœur de trop d'amour. Tout ce qui peut inspirer l'amour. Les belles choses, les belles figures, les belles actions. Je veux les aimer. Et à chaque fois, je me défends de me jeter à la tête des hommes et des femmes qui m'émeuvent. On m'enfermerait dans un hospice. Je ne suis qu'une amoureuse sans parti. Depuis le départ des comédiens et de ma belle Olympe, je suis à nouveau seule aux Chapelières. Tout autour, la campagne s'agite. On ne parle que de réformes et d'états généraux. La Bretagne a la fièvre. Et Rennes, la grande ville, me semble si mystérieuse. Les sociétés secrètes y abondent. On s'y assemble en secret. On y complote masqué. Oui, les temps sont lourds de menaces. Qui ose donc venir interrompre nos travaux, frères couvreurs? Voyez qui frappe ainsi à la porte du temple. Qui va là? Je conduis ici monsieur Philippe de Fermont, un humble postulant plongé dans les ténèbres qui demande à être admis aux mystères et privilèges de la franc-maçonnerie. Je me fais du souci pour Philippe. J'ai peur que Jacques n'ait trop de pouvoir sur lui et ne le détourne de son chemin, l'Église. Alors qu'il soit admis, en bonne et due forme. Jurez-vous de prêter fidélité à l'ordre? Oui. Alors, que désirez-vous par-dessus toute autre chose? La lumière. Que cette grâce vous soit rendue à mon troisième coup de maillet. Voyez et méditez. Que ces épées vous transpercent. Elle vous annonce que tous les maçons voleront à votre secours au moment du danger. Mais elle vous annonce aussi que vous n'échapperez pas à la vengeance de tous les frères répandus sur la surface du globe qui croient au progrès et aux lumières et qui ont juré de punir le parjure. Tu ne devras pas être là à voir ce que tu vois. Mais c'est lui qui l'a voulu. Et si j'ai cédé à son désir, c'est parce que vous êtes de vrais amis. Les ténèbres se dissipent. Tu es reçu parmi tes frères.
Mais ce n'est pas toujours devant soi qu'on rencontre des ennemis. Le plus à craindre se trouve souvent derrière soi. Retournez-vous ! Ne te laisse pas impressionner. Les lumières de la raison valent mieux que tous les symboles. Jacques, mon bon Jacques, nous étions frères par la nature. Nous sommes devenus selon les plans du grand architecte de l'univers. Je suis en doute de rester toujours unis. Oh, comme tu vas, la vie est sérieuse. Mais soit, que notre fraternelle amitié triomphe de tout. Qu'elle gouverne nos têtes comme nos cœurs. L'initiation est une seconde naissance. Elle abolit la première. Monsieur le fils du fermier, il est celui du maître, ça ne s'efface pas. Sauf ici. Ce que nous faisons est fait pour réunir les hommes, non pour les séparer. Qui sont-ils? Des bourgeois, des nobles, des avocats, des commerçants. Celui qui entre ici se dépouille de tout. De ses titres, de ses privilèges, de ses richesses. Il faut plus de justice dans le royaume. De beaux esprits qui se grisent aux idées des Lumières. De bons bourgeois qui pensent à leur succès, c'est votre monde. C'est celui de Philippe. Ce n'est pas le mien. Je veux du champagne pour sceller ta promesse. Allez, je t'emmène au théâtre. Si tu sortais de ton séminaire et que tu te montres un peu dans les salons de Rennes, tu ne compterais plus tes conquêtes. Tu veux me débaucher ? Je veux que tu fréquentes davantage les soupers où l'on échange des sourires, certes, mais aussi quelques belles et bonnes opinions. Et je ne veux pas que tu t'abrutisses dans la compagnie de tes moines. Tu es libertin. Ouais. Je suis séminariste. Et nous sommes jurés amitié. Ah. Mes moines disent matin à 4 heures. Laisse-moi en paix. En paix. Je te dis rien. Tu veux que je cours vers toi? Que je t'embrasse? Que je te complimente? Philippe de Fermont est reçu chez les maçons. Hourra, t'es content? Mais... Les singeries que je t'ai vu faire m'ont écœuré, si tu veux le savoir. Le breuvage amer. Les épées. Il y avait de quoi rire! Moi, je ne riais pas. Je te sens bien là-bas, tu es chez toi, mieux qu'ici avec nous au séminaire. Quel drôle de prêtre tu vas faire. Mais non, jamais. Tu ne seras prêtre. Je te permets. Qu'en cours-tu, la Bélier? Pour ton salut. Maçon pour bâtir un monde de justice. Je ne me compte pas parmi les meilleurs. Tu te juges mal. Tu crois, toi. Ta foi est claire. Moi, je comprends rien au monde où nous sommes. Il faut qu'on me guide. Prie, et tout deviendra clair. Reviens à la loge. Il faut plus d'égalité. Amen. Soir. Ah bah qu'ils aillent au diable, les nobles de Rennes. Nous ennuient les nobles de Rennes. Place! Faites place à messieurs les délégués de la noblesse de Bretagne. Comment ça, place? Chassez ces importuns. Oh. Importuns vous-même! Vous voulez qu'on vous bastonne? Le théâtre est réquisitionné pour la préparation des états généraux de Bretagne. Allez, Oust, partez, et nous aurons la paix civile. Je serai très bien ici. Rideau, s'il vous plaît. Rideau. Oh, rideau. Rideau. Cela fera au moins 300 places.
Peut-être 350. 400 si l'on ajoute des fauteuils sur la scène. Mais nous sommes 1600. Tous ne viendront pas en même temps, n'est-ce pas, cher Marquis? On fera des tours, comme au whist. Preuve de Jérémiade. Donnez du bâton. Point de violence, Marquis, je vous en prie. Ils partiront d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Que non, messire. À moins que vous ne nous trouviez un autre théâtre. Il n'y en a point d'autre à Rennes que je sache. Tenez, et trouvez-vous content. Amusez-vous, messire. Nous nous logerons là-haut, au grenier. C'est chez nous, ici. Point de comédien sans théâtre. Point de théâtre. Sans comédien. La noblesse cherche l'épreuve de force. Elle a envahi le théâtre et censuré Monsieur de Beaumarchais. Nous pouvons laisser faire cela, ribostant. Le trouble, entraîné par la naissance d'un monde nouveau, sera de toutes les façons moins grand que le trouble, entretenu par l'ordre ancien que nous exécrons. Vous sortez de votre rôle, vénérable maître. Nous sommes une fraternité d'hommes. Et non point un parti de combattants. Taisez-vous de Fermont. Vous n'êtes bon qu'à jeter de l'huile sur le feu. Certes, nous sommes tous francs-maçons, mais nos opinions divergent. Je vous quitte. Tu es né ici, comme moi. Ta place est ici, et non à Rennes. Méfie-toi des intrigues et des complots des bourgeois. Mon fils, écoute-moi. Juste pour mes 20 ans, ton aïeul, père, m'a conduit à cet endroit. Il n'a pas changé. Il était tel que tu le vois. L'arbre est mort. Sauf le rameau vert. Le sang d'un druide a fait ce miracle. Un sanglier l'a éventré, son sang a nourri la racine. Le rameau est resté vert. Les alliances que tu bénis avec ce rameau sont bénies pour l'éternité. Celles que tu maudis sont défaites à jamais. Approche-toi. À genoux. Ton évêque t'a fait prêtre. Et moi, ton père, le métayer des chapelières, je te donne la bénédiction du rameau vert. Je te consacre à cette terre et à ce sang qui sont les nôtres. Dieu a fait le monde tel qu'il est. Et les hommes n'ont rien à changer à ce qui est l'ordre de Dieu. Lève-toi. Tu as été élevé comme le fils du maître. Ils ont payé tes études au séminaire. Et toi, tu seras toujours le fils du métayer. Dieu l'a voulu ainsi. Reste fidèle à l'Église et au roi. Protégeons-nous de la folie de nos maîtres. Nous autres, les séminaristes, nous ne sommes pas aveugles. Il y a deux églises en France. Celle des riches, celle des pauvres. Celle des manants, celle des seigneurs. Nos prélats donnent des fêtes galantes et font commerce de perles entre deux messes. Il est vrai qu'ils sont princes. Et vivent 11 mois sur 12 à Versailles, dans les intrigues et la soie des courtisanes. Je ne veux pas me consacrer à Dieu pour finir en valet de la caste qui accapare la gloire de Dieu et laisse au bas clergé la charge des âmes et le soulagement des misères. Allez. Allez. Repose-toi, les jours qui viennent risquent d'être agités. Si enfin tu renonçais à la prêtrise, tu sais que tu peux compter sur moi. Je vais voir nos amis du théâtre, ils ont besoin de réconfort.
Olympe. Olympe. Qui va là? Ah, ah. Oh. Ben, mon pauvre pantalon, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Chut. Je monte la garde. Ah. Ces maudits aristocrates nous ont chassés. Alors où aller? Sinon dans le théâtre. Le jour, on se cache dans le grenier et on profite de la nuit pour répéter. Psst. Non, non. Tu viens avec moi? Vous qui êtes avocat, vous pouvez peut-être nous aider à retrouver notre théâtre. Mais oui, Pantalon, il va nous aider. Ne suis-je pas irrésistible? N'est-ce pas, Jacques, que tu feras ce que je te demande? Ah! Et moi aussi, j'ai une demande à te faire. Ta requête contre la mienne. Je t'écoute. Philippe, mon frère, il te plaît, je le sais. Tu es jaloux. C'est vrai qu'il est mignon, le futur jeune abbé. Non. Je crois que tu lui plais beaucoup. Mais je crains qu'il n'ose jamais te le dire. Alors, tu me le dis à sa place. Oui. J'estime trop Philippe, je ne veux pas le voir finir en prêtre. Alors, tu te dis que là où un grand frère ne peut rien, une femme, ma foi. Oui. Je te découvre. Es-tu sûr de ne pas t'être trompé de femme? Je ne crois pas. N'en dis pas plus. Considère-toi délivré de ta promesse. Où nous passerons de toi pour le théâtre? L'aventure me tend. Le jeune homme. Divertir un futur abbé. Mais quel mépris! Quelle idée des femmes! Oh, le bel amant que j'avais. C'est tout juste s'il ne m'a pas offert de l'argent. Et mon théâtre, alors? Ma chère Olympe, je sais que l'on vous empêche de jouer et que l'on vous a pris votre théâtre. Mes pauvres amis, comment subsistez-vous? Pauvre monsieur de Beaumarchais. Il avait bien raison de redouter les censeurs. Lui qui disait en sa comédie, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Oh oui, il n'y a que les petites gens qui redoutent les petits écrits. Mon frère Jacques, j'en suis sûr, usera de son pouvoir pour vous aider contre la noblesse bornée. Moi, ma belle Olympe, je viendrai vous voir à Rennes, où tous les événements vont si vite. J'ai ce qu'il me faut. À toi, Figaro. Qu'est-ce que vous faites? Voici, mesdames et messieurs, la grande danse des ours. Mais il tremble. C'est qu'il a faim, pardi. Tu fais comme moi, mon pauvre pantalon. Tu te désespères de les voir nous rendre notre théâtre. Oh, Suzanne. Picaro. Suzanne, j'ai une idée. Moi aussi. Oui. Allons jouer sur une estrade, en bas dans la rue. Hey. Un comédien, ça joue, ça meurt. Et un théâtre, ça s'invente. Mais t'es pas mort, pantalon. Ah. Pensons au théâtre plutôt. Rejoins-nous en bas sur l'estrade. Oh. Monsieur le comte, les extrémistes de la noblesse, comme ceux du tiers, préparent le pire. Il faut maintenir la paix du royaume. Il est urgent de se mettre d'accord. Le
jeune de Fermont peut intercéder auprès de son frère, qui est un des chefs du tiers. Écoutez, le tiers exige que sa représentation au Parlement de Bretagne soit plus conforme à sa place réelle dans la nation. La nation? Mais nous parlons du royaume, monsieur. Écoutez, le tiers demande le doublement du nombre de ses députés et que toutes les décisions soient prises à la majorité des suffrages. Et voici ce que mon frère Jacques de Fermont me prie de transmettre à votre parti. Mais cela va contre la coutume. Mais monsieur le comte, la demande est claire. Un député, un suffrage. Je le sais bien, mon ami. Hélas, aucune arithmétique ne convaincra les miens. Ils préfèrent mourir que de se voir mis au pied du bourgeois. Si les nobles préfèrent mourir, qu'ils meurent. On ne s'apercevra même pas de leur mort. Taisez-vous. Philippe, volez-vous. Attendez. Je te retrouverai, mon beau petit séminariste. J'arriverai jusqu'à toi. Bonne gens, la noblesse de Rennes vient de nous faire savoir qu'elle nous interdisait formellement de jouer le mariage de Figaro à l'intérieur de notre théâtre. En conséquence, nous avons décidé, nous les artistes et les servants de scène, de donner la représentation dehors. Allez, la neige. Viens, Jeanne, je suis trop curieuse. Admirable représentation du... Allez, rentrons, je t'en prie. Allez, Jeanne. Je meurs de froid. C'est peut-être dangereux. Les animaux dits sauvages, moins dangereux que ceux qui nous interdisent notre théâtre. Voici devant vous nos acteurs et nos actrices. La comtesse admirable comédienne qui peut braver tous les éléments, été comme hiver, sans se couvrir. Allez, un artiste dans une peau d'ours, ça mange comme carne. À votre bon cœur. Tu l'as reconnu? Pour nos artistes, merci. Mes amis, vous les pauvres, les besogneux, les traîne misère, on vous amuse, c'est bien, mais on vous laisse crever de faim. Ah non! Ah non! Une fois passe encore, mais pas deux! C'est Figaro! On va lâcher, monsieur le beau-parleur, on va et plus vite que ça! Et on va et rentre chez toi! Le pauvre peuple, et qui j'ai nommé? Les bourgeois, braves gens! Les bourgeois! Comme ces deux-là, avec leurs maris! Qui c'est qui tient les farines? Et le bois? Mais ne cherchez pas! Et qui c'est les bourgeois? C'est le tiers! Et où c'est qu'il est, le tiers? Il est en haut! Et nous en bas! Il nous écrase! Oui, le tiers nous écrase! Toutes les gens là, bien la tâche de bourgeois de Paris! Aucun danger. Comment vous remercier, chevalier? Oh, ne me remerciez pas. Vous nous avez sauvés la vie. Vous me reverrez, chevalier. Tu as vu son visage?
Il rayonnait d'une lumière magnifique. J'avais bien trop peur pour voir clair. Mais il me semble que ce visage m'est familier. Seigneur, vous nous avez envoyé votre ange pour nous délivrer. Faites que je le revoie. Oh, la charmante sœur sur ma route. Encore un signe de la Providence, c'est trop joli, ça. Bon, le spectacle continue. À nous deux, le petit séminariste, à nous deux. T'es trop beau, tu l'auras voulu. Ton grand frère sera content. C'est moi aussi, pourquoi pas. Et nous le retrouverons, notre théâtre. Oui. Comme il m'a fallu ruser pour arriver jusqu'à toi. Viens, je t'enlève. Fusil dans mon théâtre. Ils vont faire un champ de bataille. Sacrilège. Olympe, viens. Il se prépare. Oh. Un mauvais coup. Quoi? Mais qui nous laisse tranquille. Allez, viens. La noblesse de Bretagne est la plus forte. Nous sommes les piliers du trône. Et si le tir ne se laisse pas effrayer, s'il contre-attaque, risquons de donner une impulsion fatale. Un mouvement qui nous emportera tous. Faribole, monsieur le comte de Blossac. Ce sont des gueux que nous envoyons contre les bourgeois. La noblesse n'apparaît pas. Nous serons là pour calmer l'émeute. Vive le roi ! Vive le roi ! Vive la noblesse ! Vive la noblesse ! Vive le royaume ! Je compte prévenir mon frère. Oh, je viens avec toi. Non, bouge pas. Mais si. Non, reste ici. Attrapez-le et voyez s'il n'y en a pas d'autres. Amenez-le. Tiens, donc. Ne tue pas le jeune phare de mon voisin, l'avocat de Fermont. Il t'a envoyé nous espionner. Regarde envers lui et envers le parti dont il est l'un des chefs. Nous te laissons en vie. Mais nous te faisons porteur d'un message. Il comprendra. Bastonnez-le d'importance. Mais laissez-le en vie. C'est un séminariste, Marquis. Dieu en aura meilleur soin, comte. Allez. Ah ah que d'ici midi, il n'y ait plus un étudiant, plus un avocat, plus un bourgeois qui ose se montrer dans les rues de Rennes. Notre ami Philippe est blessé. Un jeune noble est mort. Il faut faire cesser cette folie qui gagne le royaume. Les petites escarmouches, soit. Mais les épées, les fusils... C'est la guerre civile! C'est une provocation, c'est un piège, ce que vous voulez. Mais si nous ne répondons pas, nous avons tout perdu. Regardez dans quel état est mon petit frère Philippe. Nous le vengerons. Vengeance! 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 Vengeance!
de vengeance. Nous vengerons notre ami Cap Gaulé, martyr de la noblesse bretonne. Vengeance! 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 Vous voulez faire la guerre au peuple de France? Moi pas. Le sang appelle le sang. Votre vie pour que la noblesse de France ne meure pas. Ce temps du côté du tiers soit décrété d'infamie. Infamie! 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 Un Français de s'en prendre à un homme désarmé. C'est ceux-là qui font crever tous les pauvres. Faut-il que le tiers traite la noblesse comme celle-ci l'a traité? Venez, monsieur. À mort, à mort, à mort. Cachez votre cordon. Je m'y refuse. Vous excitez la foule. Je suis chevalier de Saint-Louis, j'entends le montrer. Cachez-le, vous dis-je. Non, je ne me déguiserai pas en bourgeois. La noblesse n'est plus que vengeance, alors qu'il est. Et les extrémistes du tiers sont dans la rue. Ah, monsieur le comte, nos Bretons sont allés plus loin que nos frères du Dauphiné. L'égalité est à l'ordre du jour. À ne rien vouloir lâcher, la noblesse a tout perdu. Et j'ai bien peur que les libéraux dont vous êtes ne soient balayés, eux aussi. Vous savez, on m'a déjà décrété d'infamie. Que peut-il arriver de pire? C'est la révolution. Et elle commence en Bretagne. Non, je pense. Je pense au salut de la France. Que Dieu ait pitié du royaume. Rien ne sera plus comme avant. Très concentré, il tenta de renouveler son exploit. Attention. Oui, c'est parti. Oui, 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 oui. Oui, record battu, 35 centièmes. On revoit l'action au ralenti, prise en main, ouverture. Oh là là, quelle facilité. Incroyable, le versement. Ah, quelle merveille, c'est formidable, c'est fantastique. Oh là 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 là. Oui, oui, fermeture, 35 centièmes, c'est fabuleux. Jamais au monde, on ne s'était versé un verre de lait aussi rapidement. Ah, Candia, ton grand lait, c'est vraiment du grand lait. Appia présente les chefs-d'œuvre de la musique classique à la portée de tous. 10 coffrets de 3 disques compacts à un prix exceptionnel. Les chefs-d'œuvre de la musique classique à la portée de tous. Disque Carrère. Non, rien ne sera plus comme avant. On dira peut-être plus tard que la grande révolution avait commencé chez nous. Mais c'est tout le royaume qui est secoué de convulsions. C'est un enfantement. On espère, on souffre. Philippe ne sera jamais prêtre. Il se repose aux chapelières. Il a tellement changé, comme je le craignais. Il s'éloigne de moi. Toutes les femmes sont amoureuses de chérubin. Puisque vous êtes un ange, il n'y a point de mal à ce que je vous embrasse. En effet.
Pardonnez-moi. Je vous laisse à Philippe. Homme, femme ou ange, vous me trouverez toujours à votre service. Merci, ma belle dame. Serviteur, ton grand frère avait raison de me demander de m'occuper de toi. Tu es charmant. Tu es de famille. Qu'est-ce que c'est que ce masque que vous vous êtes fait? Oh, vous avez pleuré. Vous ne voudriez pas qu'on le voie. Voulez-vous avoir l'air d'une morte pour rendre l'aide? Je vous ai pris, Philippe, soit. Mais n'aviez-vous pas perdu? Si je vous ai blessé, pardonnez-moi. J'ai été séduite. J'oubliais que tu étais une femme. Que dis-je, une déesse? Je suis une actrice. Je suis. Je ne pas t'aimer. Aime-moi, qui t'en empêche. Aime-moi. Je suis folle d'avoir voulu te revoir. Non. Non. Il lui faudrait véritable amour, ma fille. Oui, mon père. Viens avec moi à Versailles. À Versailles? Oui. Je suis sûre d'être députée. Non, vous, j'ai quelques bonnes raisons d'être choisie. Voyons. Avocat, tribun, riche, bien sûr. Ami des Lumières, maçon et libertin. Oui. Propriétaire. Oui. Bourgeois, mais allié à la noblesse de robe. Ah. Généreux, mais point naïf. Partisan des réformes, mais homme d'ordre. J'en oublie. Oh, tu es charmant. Si tu me suis, tu auras le plus brillant salon de Versailles. Ah oui, et Jeanne, qu'en dit-elle? Je suis riche, tu es belle, tu as de l'esprit, et Jeanne est intelligente. Tu oublies Philippe? Philippe, il nous suivra. Il sera mon secrétaire. Il a tout à apprendre, mais je ne désespère pas de le former. Soit, j'ai moins fait pour son éducation que toi. Quoique, à mon avis, ayant fort bien appris avec toi, il lui faut maintenant connaître d'autres exemples du genre féminin. Crois-tu? Et si tu l'aimes encore, cher ami, tu l'auras à portée de main.
Je me demande comment tu fais pour vouloir si fort le bonheur de tous ces paysans que tu connais à peine. Et pour mépriser si fort le bonheur de ceux qui te sont si proches. Ah oui, j'aime Philippe. C'est grâce à toi. Écoute-les, les doléances de tes Bretons. Alors c'est ça qu'on va envoyer au roi? C'est ça qu'ils veulent? Tiens, écoute. Hey. Impôt. Conscription. Corvée de route. Toi mort, mais c'est lassant à la fin, il ne pense qu'à ça. Tu t'attendais à lire du monsieur Rousseau? Les mots des paysans sont toujours les mêmes. Moulin. Droit de clôture. Droit de chasse. Si tu vois pas plus loin que le bout de leur champ, tout le pays est en effervescence. Et nos paysans parlent de farine, de clôture, de cochon. Mais enfin quoi? Dans toutes les provinces de France, les hommes se lèvent pour mettre fin aux abus. La générosité anime les cœurs. Lisent des nouvelles, des philosophes font trembler les tyrans. Et vous, les paysans bretons, vous hésitez, vous chicanez, vous mesurez. Tu vois, nous ne sommes pas du même monde, toi et moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui pour toi est insignifiant. Non, mais pas ce que j'ai dit. Pour nous, ce sont les grands drames de tous les jours. Là, tu peux te moquer. Mais qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire de tout ce fatras à Versailles? Mais rien! Pardonne-moi, mon frère. Pardonne-moi, je retire tout. Je voulais pas te blesser. Ta force, celle de ton frère, la mienne, ce sont ces paysans que tu ne comprends pas. Ils nous ont donné mandat. Tant que nous leur serons fidèles, notre pouvoir sera grand. Il ne faut pas les décevoir. J'en fais le seul monde de toi, mon frère. Ton frère ? Nous ne sommes pas. Je suis ton égal. Et Dieu seul est mon maître. Avec la jeunesse de Rennes, pour vous dire que ce théâtre sera le foyer des Amis de la Liberté Nouvelle. Ouais ouais. Alors là, une tribune pour les discours, pour pas les orateurs qui manqueront. Ouais. Et l'assemblée se fera dans la salle, bien entendu. Oui. Oh, c'est merveilleux, non? Ah non, trop, c'est bien de retrouver notre théâtre, c'est pas pour le perdre. D'ailleurs, votre foyer. Alors. D'avoir la noblesse maintenant, le tiers, mais laissez-nous jouer. Pauvres amis, mais j'ai bien peur que vous n'ayez plus le temps. La révolution est en marche, Figaro, elle est en marche et rien ne l'arrêtera. Ni le seigneur, ni les princes, ni les comédiens de Rennes. Mais c'est un fleuve qui emporte tout sur vous. Tu me fais peur quand tu parles comme ça. Tu ne joues plus. Comment est-ce qu'on peut n'être plus comédien? Le théâtre, c'est notre vie. On ne change pas de vie comme ça. On change de pièce, on change de personnage. Ça t'intéresse, Chérubin? Et Figaro? De quel côté va-t-il se ranger, hein? Qu'est-ce que la révolution va en faire? Les comédiens peuvent jouer tous les rôles. Comte aujourd'hui, Figaro demain. La révolution préfère les Figaro.
se bat à Paris entre Français. Mais de pantalon, le sang a coulé. Tu vois, aux portes du théâtre, il y a un régiment du roi. Et alors? Et ils vont attaquer notre théâtre. Il ne s'agit pas de toi, de nous, qu'importe nos vies. Il s'agit de la liberté. La liberté, la liberté. Il faut que je sois couverte de sang. Moi, je préfère sanglante qu'enchaînée. Je préfère me sauver. Vive le théâtre, vive la comédie. Adieu la révolution. Adieu là. Adieu la révolutionnaire. Citoyens soldats, on trompe le roi. On vous trompe, vous aussi. Baissez vos fusils, citoyens. Ce ne sont pas nos ennemis. La nation, c'est vous, soldats. C'est nous, la nation. La nation, c'est le peuple. Empêchez la Saint-Barthélemy des patriotes. Taisez-vous. Et toi, où tu vas? On ne vous veut pas de mal. Nous non plus, on ne vous veut pas de mal. C'est la guerre des officiers nobles, pas la nôtre. Puisqu'il doit mourir, que ce soit sur la scène. L'amour qui tue les Figaro ne mérite pas de continuer à vivre. Soldats citoyens, jeunes de la Révolution, avec moi. Vive la fraternité. Vive la fraternité. Vive la fraternité. Tu es belle, ma révolutionnaire. Jamais je ne me suis autant amusé en jouant.
Ne te retourne pas. C'est cette musique. Autrefois, elle m'exaltait. Ce soir, elle m'a rempli de tristesse. Vous ne jouez plus ? Pardonnez-nous, mais cette musique nous rend tristes. Vous ressentez la même chose que moi ? Un sentiment. Comme si rien ne pouvait plus être comme avant. Comme si nous avions franchi, sans le savoir, une frontière invisible. Je ne reconnais plus la maison de mon enfance. Mes amis. Moi-même. Plus rien. Philippe. Je me sens devenir étranger à tout ce que j'étais. Un autre homme naît en moi. Je ne le connais pas. Et il me commande. Fichtre. On vient chercher ici, auprès de Silette, un peu de réconfort après les épreuves de Rennes. Et toi, tu nous glaces les sangs. Voilà des siècles qu'on attend. On a droit à l'impatience. Je vous admire pour votre sérénité devant les tourmentes de la Révolution. Le monde ancien s'écroule. Et votre monde nouveau a-t-il créé autre chose que des ruines ? Moi aussi, j'ai peur. Comme elle, comme vous. Mais la peur ne m'empêche pas d'agir. Elle m'aiguillonne. Elle me pousse en avant. Savez-vous seulement où vous allez ? Qui d'entre nous le sait, l'abbé ? Le vieux monde s'écroule. Un monde tout neuf se bâtit sur les ruines de l'ancien. Et moi, j'ai envie de crier mon espoir que tout change. Si nous sortions, je voudrais voir la nuit. Mes amis, Olympe, Philippe, l'abbé, restons unis. Nous dans un an. On ne passe pas, citoyenne. Je viens voir le délégué Philippe de Fermont. C'est mon petit frère. Entre. Je vais le prévenir. Mais on ne t'attendait pas. J'ai fait plus vite qu'une lettre à venir. Il y a des choses qu'on n'écrit pas. De toute manière, les correspondances sont ouvertes par la sûreté. Mais si la sûreté, c'est moi. Je n'ai plus le cœur à écrire. Et les nouvelles que je reçois me rendent folle. Alors je me tais. Rejoins ton poste, citoyen. À tes heures, citoyen, commandant. Philippe. Mon Philippe. Comment te parler pour que tu me comprennes ? Nous nous comprenons sans même avoir besoin de parler. L'abbé. Quoi, l'abbé ? Il n'accepte pas la constitution civile du clergé. Il ne prêtera pas serment à la nation. Au roi, à la loi et à la nation. Il ne jurera pas. Tu sais bien, tous les prêtres sont réfractaires chez nous, hélas. Il sera donc interdit de messe, son traitement sera supprimé. Il ne pourra plus porter la soutane ni entrer dans une église. Non ! Tais-toi. N'oublie pas où tu es. Mais revenez sur cette loi. Faites-en une autre. Mais vous parlez au nom de la justice, des droits de l'homme et du citoyen. Le monde entier vous admire pour cela. Ne nous décevez pas. Tu es folle. Change pas les lois pour le plaisir des bonnes âmes comme toi. L'abbé se met en la loi en toute conscience. Tant pis pour lui. Au revoir.
frère. La folie de ceux qui se disent patriotes menace Sa Majesté le Roi. Les Bretons se lèvent pour sauver la couronne, car Dieu et Saint-Denis l'ont placée sur la tête des rois de France. Les hommes ne peuvent défaire ce que Dieu a fait. À genoux. Pardonnez-moi, mon père. Je ne peux communier parce que j'ai péché. Dieu m'a donné le pouvoir d'absoudre les péchés. Prends soin de toi, l'abbé. Il pense qu'à la paix. Je ne crois pas à la paix. Je t'en prie, laisse-moi croire qu'elle est possible. Il n'y a que la victoire de Dieu et celle du roi qui peuvent ramener la paix. Promets-moi de ne pas prendre les armes, toi. Gabriel, va voir s'ils arrivent et préviens-moi. Je ferai semblant de jouer. Allez-y aussi, Nanette. Oui. J'étais connu en loge chez les francs-maçons, séminaristes. Tu tremblais le soir de ton initiation. Combien d'hommes as-tu tué depuis que l'on t'a enseigné que tu prêches la fraternité ? Emmenez-le ! Je peux plus, je m'en vais. Citoyen de Fermont, la révolution n'attend pas. Je pars pour les chapelières. Le tribunal révolutionnaire condamne à la peine capitale. Dis-lui qu'elle court des risques terribles si elle persiste à aider l'abbé. Dis-lui que nous portons le même nom, que je pourrais plus le protéger très longtemps. Le tribunal révolutionnaire appelle à la barre l'accusé suivant.
Je ne l'ai pas tué. Je veux pas. Je veux pas te tuer. Sauve-toi, la baie! La paix. Les bleus gardent tous les chemins. Je veux que tu te dises une messe, l'abbé. Pour son âme. Pour nous aussi, les vivants, nous en avons plus besoin que les morts. Je ne peux me passer d'aucun d'entre vous cette nuit. Que je vive comme je veux encore une fois chez moi ce soir. Dis ta messe, l'abbé. Après, je te fais arrêter. Je ne te laisserai pas partir cette fois. Non. Tu n'as rien à craindre, l'abbé. Tu es ici chez moi. Le pays sait que tu es un prêtre réfractaire, que s'il te cache. Mais ils ne peuvent rien contre moi. Tant que je serai là, rien contre toi non plus. Il fait sombre ici, qu'on allume tout. Il faut qu'on la voie, comme au théâtre. Elle aimait la lumière. Elle ne connaissait pas la peur. Regardez-la. La révolution me l'avait amenée. Elle me l'a reprise. J'aurais donné ma vie pour la sienne. La révolution. Elle te plaisait donc sous les traits d'Olympe, la révolution. Comment as-tu pu rester sourde à ce qu'elle te disait? Comment ton cœur n'a-t-il pas vibré avec elle? J'ai de la baie. Mais je ne combats pas avec lui. Je n'en ai pas fini avec l'espoir, moi. Et toi, l'abbé, tu étais avec nous au début. Maintenant, tu es avec les pires de nos ennemis. Qui sont aussi les tiens, nom de Dieu. Tu veux le retour des privilèges? C'est pour ça que tu te bats avec tes paysans. Tu veux revenir en arrière. Reconstruire les châteaux que vous avez brûlés. Rétablir le servage dont vous êtes affranchi, c'est ça que tu veux? Je n'ai fait que suivre les miens. Des paysans. Oui. Vous leur avez donné de si grands espoirs. Vous vous êtes servi de leur révolte. Et puis vous les avez oubliés. Taisez-vous. Je ne laisserai pas détruire ce qui nous unit. Regardez-la. Regardons-nous. C'est peut-être la dernière fois que nous sommes réunis. Seigneur, si tu pouvais arrêter le temps. Et la liberté d'Olympe n'était plus que souvenir lointain des jours heureux. La comédie prit des allures de tragédie. Avec la mort d'Olympe, nos chemins se sont séparés, définitivement. Et ce furent la fin de nos amours. Et là commencèrent les années de violence. Jacques fut nommé président de l'Assemblée constituante. Philippe devint un des chefs de la Révolution, l'abbé un de ceux des Chouans. Et les deux amis d'enfance se combattirent à mort. De ces ruines, un monde nouveau allait naître. Nous l'attendions. Je gardais l'espoir.